J'ai vu des photos de vous sur lesquelles vous aviez un afro. Quelle était la signification de votre afro? Pourquoi prenez-vous autant de risques en étant Black Panther? We all look alike. En fait, tous les noirs se ressemblent. Don't we? N'est-ce pas? At least they think we do. En fait, eux, ils pensent que tous les noirs se ressemblent. But I think the importance of the Afro was that it was a style that conveyed resistance. En fait, l'Afro était important parce que c'était un style qui en fait donnait à voir la résistance. You know, just as the emergence of the Black Panther Party in 1966. Et de la même façon qu'en 1966, vous avez la naissance du parti des Black Panthers. Represented resistance. Eh bien, ce parti représentait aussi la résistance. And that spirit of resistance continues to exist. Et cet esprit de résistance continue à exister. And the question was about the risk that those of us who were a part of or identified with the Black Panther Party experience. Il y a quelqu'un qui m'a demandé, mais qu'en est-il des risques que vous avez pris en étant membre du Black Panther Party? There are always risks. Vous savez, il y a toujours des risques. When we walk across the street, lorsqu'on traverse la rue, risks, on prend un risque. Because we might be killed by parce qu'une voiture an automobile. Une voiture peut nous renverser. But as I was saying last night, we learn to do the work that we have to do despite the fact that we might be afraid, despite what we might be risking. Et je disais hier soir qu'on apprend à faire le travail qu'on est appelé à faire en dépit des risques, en dépit de ce qui peut nous arriver. And the more people are involved, the less likely we are to succumb to those risks. Et donc plus il y a de gens qui sont engagés, eh bien, moins on a de chances de succomber à cette peur et à ces risques-là.